Le reporting, c'est communiquer des chiffres comparables dans des délais courts et non temps incassables. De plus en plus, dans notre profession, il y a des gens qui sont spécialisés dans le réseau, dans le reporting, parce que c'est une organisation qui est à part, c'est un métier qui est à part, c'est une spécialisation du métier d'expert comptable. Le reporting, c'est effectivement, il intervient lorsque je remets au chef d'entreprise ces chiffres. Mais finalement, si je donne au chef d'entreprise tous ces chiffres, il ne va rien comprendre. Il faut faire parler les chiffres. Le travail ensuite, c'est de dire au chef d'entreprise, vous avez 4 îlots de pertes. Vous avez ici, 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 et dans telle et telle unité. Hein. Donc, le reporting, c'est qu'une phase. Et s'il n'y a pas un benchmark qui fait parler les chiffres ne vous servent à rien. Donc le reporting, c'est finalement une phase préparatoire.